Ouais. Ok, j'arrive. Seb, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 3 fois que je t'appelle. La même chose que toi. On a signalé un décès. T'es-tu seul? Ouais, les médecins légistes étaient là il y a quelques minutes. Ils sont partis. Ils vont probablement venir à la fin de la journée. À bientôt. Ouais. Voilà. Non. Charles Vaillancourt, 16 ans. Cause du décès? Mort dans son sommeil, apparemment. Des témoins? Aucun. Alright. Irritation sur les gencives, décoloration des dents, ouf, puis plus d'ailleurs. Ça, c'est du cyanure. Rien d'autre. Donc, on aura affaire à un suicide. Possible. T'as pas dit qu'il y avait une sœur? Ouais, elle était là ce matin. J'ai permis d'aller prendre l'air un peu, là, pour... Correct, ça. Je vous présente Marc Langlois. Il est ici pour m'aider à élucider ce qui s'est passé avec votre frère. Merci. Mes parents sont dans l'avion, il devrait pas tarder. Écoute, Marc, honnêtement, d'après moi, ça peut pas être autre chose qu'un suicide. Comme je te l'ai dit, c'est très possible. Qu'est-ce qu'il y a? Marc, qu'est-ce que tu fais? Quelque chose qui fonctionne pas. C'est un suicide. Et où la bouteille du cyanure? Oh fuck. Seb, c'est pas un suicide. Qu'est-ce que tu... Puis moi qui pars en Floride demain. Où est-ce que vous étiez le soir du décès? Dans ma chambre, je dormais. Pardonne mon retard, j'ai oublié mon sac. Donc, Lucie, je peux vous appeler Lucie? La relation que vous aviez avec votre frère, vous diriez que c'était comment? Ben, on était quand même proches. Et est-ce que vous avez connu des gens qui pourraient lui avoir voulu du mal? J'en ai aucune idée. J'imagine que vous l'avez dit à mon collègue, mais vous avez rien vu, rien entendu. Pas ce que je me souvienne. Ok. Mais je vous remercie. Merci, Lucie. Attendez! Je pense que je vous ai vu, inspecteur.
Oui, je vous ai vu marcher devant la maison, faire les 100 pas. Vous étiez bizarre. Ah ben, les voisins ont appelé pour tapage nocturne, puis je sais pas, j'étais à côté, fait que je l'ai pris. C'est vrai ça? Ah mais je sais pas, c'était votre maison. Et pourquoi tu me dis ça, toi? Ah. Oh. Les cheveux, décollisse. Marc. Non, je vais au labo, je vais analyser ça. Impossible. Fuck! Toi, tabarnak. C'est tes cheveux que j'ai trouvé tantôt là, tu vas m'expliquer Marc. Pourquoi tu... Non, non, tu vas me tailler! Marc! J'ai trouvé ça dans ton sac. J'ai même ça de ma vie. C'était dans ton sac. Impossible, c'est pas moi! Qu'est-ce que tu faisais chez Charles hier? Je te rappelle que c'est pas toi qui s'occupe des plaintes civiles. C'est très bien ce moment que tu es Charles en cours. Toi, qu'est-ce que tes cheveux faisaient ici? C'est quoi? Dis rien. Je vais aller voir le boss, puis il va me dire quoi faire. Oh, c'était vous. Waouh, inspecteur à l'emploi. Quelle perspicacité. Vous êtes vraiment un bon inspecteur. Seb, t'es là-dedans? Tu aurais fait la même chose à ma place. Ah. Oh. C'est elle la fille que tu me parlais, hein. C'était pas juste une date finalement. T'es pas supposé être un inspecteur, toi. Hein? Quand Lucien me dit ce que son frère lui faisait, comment qu'il la battait, j'ai tout de suite vu une opportunité. J'ai pas pu me tenir en place. Puis tu l'as tué. Charles, il me frappait tout le temps. Puis mes parents voulaient pas me croire. C'est pour ça que t'étais là ce matin, hein. Tu sais, tu vas faire pogner, right? Ah ouais. Lucie, va chercher le sac. Voyons voir ce qu'il y a dans ton sac, monsieur le détective. Alors, il y a... une cagoule. Intéressant. Mais, qu'est-ce qu'on voit là? Une bouteille de cyanure. Quoi, c'est des preuves? J'ai pas mes empreintes dessus, le cave. Tu vois ça? Ouais. Ben disons que j'ai mis tes empreintes pendant que t'étais inconscient. Smart. Pas pire, hein? Ouais. Puis maintenant, j'ai tes cheveux. Pourquoi moi? Pourquoi toi? T'as volé ma job, Marc! Ma gloire! Tu te rappelles, hein, Star? Hein? Ben maintenant, cette gloire-là, je vais la reprendre. Quand je vais montrer au boss comment tu as tué Charles.
Le boss va être content, hein? Il y a juste une affaire, t'as oublié mon petit pit. Si? Tu m'attaches avec mes menottes. Faudrait un taux de patrouille. 131 plus les soirs.